Ah, Dieu, mais... mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment j'ai assez de biens? Ce qu'ils disent en ont menti. N'y a-t-il plus faux? Et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là. L'avare, c'est quand même une tragicomédie. C'est-à-dire qu'à la fois, on arrive à rire de quelqu'un qui a des défauts extrêmes. C'est ça la grande force de Molière, de nous faire rire d'un type odieux. Sors vite que je ne t'assomme! Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Votre fils, mon maître, m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en l'attendre dans la rue et ne sois point dans ma maison! C'est comment raconter à travers un point de vue d'aujourd'hui ce que c'est que la difficulté de la maladie mentale, mais qui se mêle en même temps avec la difficulté de la famille. Une vertueuse famille. Et concevez quel déplaisir ce m'est de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie. Et moi, monsieur, que j'ai mon haut de choses tout troué par derrière, et qu'on me voit révérence parler. Fait. Oh, ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vu. J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites. Oh, rangez cela adroitement du côté de la muraille et présentez toujours le devant au monde. Ouais. Et pour moi, venir voir ce spectacle, c'est avoir envie de voir des très très bons comédiens, très généreux, et qui sont surtout très heureux de jouer pour un public large, populaire, de tout âge, dans un des plus beaux théâtres de Paris. Je veux faire pendre tout le monde! Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après !